Percy Jackson est le voleur du foudre et mon livre préféré, c'est pourquoi que je le recommande à tout le monde. Percy est un garçon de 12 ans et qui n'avait pas à s'adapter au monde en général. Il a un TDAH et un dyslexique. Aussi, il s'est passé des choses étranges et autour de lui. J'aime ce livre parce que ses troubles de conduite, c'est ce qui le rend spécial et c'est qui l'aide à survivre. Et ce livre mélangeait beaucoup de genres différents comme la mythologie, la fantasy, l'action, la romance. Il y a de la mythologie parce que Percy est un fils de Poséidon, le dieu du mer. Et si tu lis Percy Jackson et le vouloir tout foudre, tu auras de bonnes notes et dans grec. Et il y a de la fantasy parce qu'il y a beaucoup de monstres, il y a beaucoup de pouvoirs. Et malgré qu'il y a beaucoup d'actions et de combats, et aussi il y a un romance parce qu'on voit le début d'une histoire d'amour. Je recommande Percy Jackson et le vouloir tout foudre. Néanmoins, c'est le premier livre d'une saga qui est très longue. Et par contre, cela vaut la peine d'être lu parce que tu apprends de la mythologie grecque, romaine, égyptienne et normandique. Et finalement, j'aime Percy Jackson et le vouloir du foudre parce qu'il y a un personnage féminin très important. Annabelle est un fil. Et très intelligente et fort, indépendante, valeureuse, sans elle, et Percy sera mort avant la moitié du livre.